Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme, moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et ça faisait longtemps que je n'avais pas mis sur la chaîne, donc on va partir sur du gaming PS5, donc là on passe plus aux jeux mobiles, toujours sur les zombies parce que moi j'adore ça. Donc il en faut un peu pour tout le monde, donc je vais continuer à faire du contenu divertissement, sport, etc. Mais là je voulais partir sur du gaming, donc on se retrouve pour The Last of Us remasterisé. Et j'ai pas encore joué, donc j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner, si on va dégommer du zombie un peu, comment ça va se passer. J'espère que vous, ça va bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le gaming ça vous plaît, si vous voulez que j'en fasse plus. Là, on va commencer une série sur ce jeu-là, donc on va prendre en main tout de suite. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais censé la conduire jusque Luciole et m'en aller. On a traversé la moitié du pays ensemble. Elle voulait donner un sens à son immunité. Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire d'Armed. Peut-être que je faisais ça pour son bien. Et puis on est arrivé. On a trouvé les Lucioles. Grâce à elles, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. Docteur ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas la prendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Putain de merde, Joël. Qu'est-ce que t'as foutu ? Je l'ai sauvé. Allez, Ellie. Je te tiens. Je te tiens. Bloquez les sorties. On le lâche pas. Merde. Bordel. Ça, c'est... Quel merdier. Ellie est au courant? Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que... son immunité servait à rien. Et elle y a cru d'après toi? Elle n'a jamais dit le contraire. On devrait y retourner. Ok, bon. Déjà, j'ai bien aimé l'introduction.
Des graphismes, quand il y a un peu de passage en mode histoire, je les trouve cool. Là, je suis en train de prendre un peu le truc en main. Ça va, ça se joue, c'est stylé. Pour moi, première bonne impression, graphisme cool, franchement. C'est quand même assez immersif, assez réaliste. J'attends de voir la suite, bien évidemment. Mais ça promet d'être pas mal. Après, je connais pas encore les touches et tout, donc je sais pas là. Alors, moi, je découvre un peu le délire, hein. En version jeu, du moins. Mais voyons voir. Ok. Franchement, j'aime bien les graphismes. Hein. Pour le moment, j'aime bien. Ouais. Ok, galoper. Bon, là, ça va être le didacticiel. Il m'explique un peu les touches, etc. La ville. Enfin, la ville. Ok, zoomer. Galoper. Oh. Croix sautée, c'est ok. Ouais. Je remarque déjà quelques détails hein, quand tu sautes et tout, que c'est pas non plus. Ah. Je fais l'autocritique un peu, hein, mais. Il y a enfin, moi je remarque tous les détails histoire de vraiment avoir un bon gros comparatif de ok, c'est super bien fait, c'est moyen bien fait, c'est bien fait. Là, moi je trouve ça stylé de ouf, hein, mais quand je saute à cheval, il y a quelques petits détails quoi qui. Allez, qu'est-ce qu'on me fait, Johnny B. Goode? C'est la colline de The Walking Dead? Le mec, il a rien compris, ça. Ok, l'écurie. Bon, je pense pas que ça sera dans ce premier épisode où il y aura c'est bon, je m'en occupe. Le plus d'action. Vas-y. T'es sûr? Ouais. D'accord. Faut pas oublier que c'est une histoire hein, et pas un mode libre. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je crois bien que j'aurais fait exactement pareil. J'emporterai ton secret dans la tombe. À plus tard, Tommy. Ce que je disais du coup, parce que j'essaie de les laisser parler pour que vous puissiez entendre, c'est que là on va suivre une histoire, c'est pas un mode libre, monde libre où moi je dégomme des zombies, je fais ce que je veux. Donc on va suivre le chemin qui nous disent de mener et on verra comment ça se déroule, s'il y a de l'action ou pas. Là pour le coup je suis là pour me plonger dans l'histoire quoi. Eh oh. Ellie? La vache. Tu m'as foutu une de ces trouilles. J'ai frappé à la porte, mais... Salut. Salut. Tu voulais quelque chose? Rien de spécial. Tu sais... Tout le monde est très impressionné par toi. Par la façon... dont tu sais... te rendre utile. C'est cool. Ouais. Avec Tommy, on s'est baladé l'autre jour et...
Il m'a raconté une blague et j'ai pensé à toi. C'est... Ah, j'ai dû oublier. C'était une histoire d'horloge. Quelle est... Joël, écoute, il est super tard et je dois me lever tôt demain matin. Ouais, c'est vrai, je sais. Je vais pas te déranger longtemps. C'est juste que... Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste une seconde. Qu'est-ce que c'est ? Par ici, les gens appellent ça une guitare. Sandek. Je peux te jouer quelque chose ? Ok. Super. Tu me promets que tu vas pas te moquer de moi. C'est promis. Je te le jure. Je compte sur toi. Utilisez joystick gauche pour choisir un accord. Pavé tactile, faire glisser verticalement. Faites glisser votre doigt pour gratter les cordes. Incroyable. Si vous voulez, là, c'est moi qui... Putain, ça, c'est bien foutu, je trouve. Hein. C'est moi qui utilisais le pavé tactile de la console, en fait, pour faire glisser les cordes. Oh, c'est... If I ever were to lose you, I surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts, I've no need for anymore. As I believe. And I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. Eh ben, c'était pas si mal. Je prends ça comme un compliment. Elle est pour toi. Oh non, 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 je saurais même pas je comment t'ai la tenir. Je t'ai promis que je t'apprendrai à en jouer. C'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais d'une première leçon demain soir ? Bandit. Ok. Ok. Est-ce que... La blague t'est revenue ? Tu sais quel est le comble pour une horloge ? C'est de te voir tuer le temps. C'est vraiment débile. Ouais. Allez, dors bien. Thank you.
Last of Us marque déposée partout. Quatre ans plus tard. Quatre ans plus tard, les gars. Salut. Bonjour. Désolé, j'ai dormi trop longtemps. Je m'habille et j'arrive dans une minute. Il paraît que t'as passé une drôle de soirée. Elle m'a embrassée. Tu connais Dina, tu sais comment elle est. Ça voulait rien dire du tout. Je parlais de ton engueulade avec Seth. Attends. T'as embrassé Dina? Oh. Je croyais... On est séparés depuis une semaine et tu bécotes mon ex? Non. Elle voulait peut-être juste te rendre jaloux. Moi, je voulais pas... Oh, putain, c'est trop gênant. Tu vois pas que je te fais marcher? Je m'en fous, ça va. Va t'habiller. Oh, t'es qu'un con. Hé hey. C'était quand même pas très cool. Dépêche-toi, on est en retard. Bon, le petit sondage dont j'avais besoin, les gars. Ça pue pas. C'est est-ce que vous, dans les films, là, dans les films, enfin, je parle pas du jeu pour le coup, mais les moments où ils se mettent à chanter, là, ça vous saoule pas? J'ai l'impression d'être le seul que ça... Moi, quand dans le film, ils arrêtent le film et qu'il y a un moment où ils chantent, là, sous la pluie, avec la guitare et que... Et moi, je trouve que c'est relou comme moment, tu vois. Genre là, il y a eu le moment en musique, bon, ça allait, tu vois. Mais j'ai besoin de savoir votre avis sur ça, savoir si je suis le seul à me dire que c'est, ça n'a rien à foutre dans un film, un moment où ils chantent sous la pluie alors que t'as des zombies qui attaquent ou que c'est la fin du monde, tu sais. Alors, voyons voir. Ok. Hop, on se couvre un peu, mon gars. Petit flingue. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, j'aime bien être acteur. Même si là, on suit une histoire, j'aime bien être acteur de ça. Donc, j'espère qu'il ne va pas avoir trop de moments de cinématique. Là, c'était le début, donc j'en déduis que c'est normal. J'espère que sur la suite, je vais avoir... c'est moi qui vais gérer l'histoire, quoi, un peu. Ok, j'ai le gun, j'ai tout. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir... Bon, on va... Ah, hop. Interaction. Tu vas aller réveiller ? Moi, je prends le max de trucs. Hein. On va faire le tour de l'appart, les gars. Ah, mais les yep. Et, ça craint. Ouais. Les bottes. Arrête. Jean-Michel derrière la porte. Hein. Si, je te jure. T'as tout ce qu'il faut? Ouais. Pourquoi? J'apprécie les graphismes. Ok, petit contre, résumé. Hein. T'as embrassé Dina. C'est elle qui m'a embrassé. Ce qui a conduit Seth à te traiter d'un truc pas sympa. Ouais. Ensuite, Joël l'a frappé. Il l'a juste poussé. Et puis tu t'es énervé contre Joël. J'ai pas compris ça. C'était une soirée bizarre, Jesse. Plutôt mouvementée. Maria veut te parler. Elle est où? Je trouve qu'on est dans le mode histoire, là. C'est à propos de Seth. C'est vachement réaliste, vachement bien fait. Dis-lui que tu m'as pas un peu moins quand on est acteur, là, de l'histoire, je trouve. C'est vraiment pas cool. Bon, ce qui est normal, hein, mais... Désolé. Allez, hop. Eh, donc... J'espère qu'on va avoir un peu d'action. On veut pas, hein. Toi? Non, pas du tout. Dina et moi, c'est du passé. Je sais, mais je veux pas que tu penses. Ellie, tout va bien. C'est promis. Il est jaloux. L'autre est pécho. Merci. Ils ont fait une sacrée ville, je trouve, hein, pour un mode rempli de zombies, de fin du monde et tout. Salut, toi. Salut, mon vieux. Oui, ça fait du bien. Trop stylé. Je préfère les animaux que les humains. Je suis un peu associable. Salut, Jesse. Oh, salut. Salut. On dirait un peu... Un western enneigé, tu sais. Tipsy. Vas-y, entre. Tu vas y arriver. T'as envie d'un petit déj? Non. Où est Maria? Derrière. Pardon. Ellie, viens, je t'attendais. Salut.
Seth voudrait te dire quelque chose. J'ai aucune envie de discuter avec un fanatique. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Oh, d'accord. Seth, viens là. 8. Oh, au secours. Je t'ai blague aussi drôle que le mec de tout à l'heure. Salut. Écoute, hier soir, j'avais un peu bu. Ouais. J'essaie juste de m'excuser. Maria m'a dit que tu partais en patrouille avec Dina. J'ai préparé des sandwichs. Le vieux, il s'est mis une mine hier. À la viande. Il se rappelle même pas de la soirée. Merci, Seth. Ouais. Bon. Soyez prudente. Ouais. Je te remercie, Ellie. C'est quoi, ça? Sandwich de fanatique. Ça sent bon. Prends-les. T'es sûr? Vas-y. Je vous raccompagne. Ok. À moi, faudra pas me les proposer deux fois, les sandwichs, je te le dis. Eggs, milk. En partant, je veux que tu relèves Tommy et Joël. Ces deux-là sont partis depuis bien trop longtemps. Je les retrouve où? Ils devraient être au poste de Gaynor West un peu plus tard dans la journée. Et fais attention. On nous signale beaucoup trop d'infectés dernièrement. Ah. Ok. J'avais prévu de vérifier la route de la rivière. Il faudra que quelqu'un d'autre s'en occupe. Ellie, tu connais la route de la rivière? Non, pas vraiment. Dina la connaît bien. Elles pourront y aller ensemble. Ils appellent ça les infectés, là. C'est ouf le nombre de noms qu'ont les zombies. Ça s'appelle un zombie à la base. Les rôdeurs, les infectés, seconde. Les pourris, les rampants, les... On a le droit à tous les surnoms du monde à travers tous les... Je sais pas ce qui se passe entre toi et Joël. Maria... Il tient énormément à toi. Je suis sûre qu'il voulait pas te faire de mal. Tout va bien. Sûr? Ouais. Ok. Ok. Excuse-moi. Sois prudente. D'accord. Hé, hey, Dina! C'est l'heure! 2 secondes, j'arrive! Tu peux dire à ta copine d'aller aux écuries, s'il te plaît? Il dit que ça me bat les couilles, mais il est jaloux, hein. Il est jaloux comme tout. Je peux te parler? Hé, hey, les gars! Je fais une pause. Oh non! Ça va durer longtemps! Moi, je l'aurais mis en pleine tête, hein. Je fais une pause! Tiens! Moi, je fais une pause. Salut. Relou, hein? Je voulais juste m'excuser d'être partie hier soir. Oh non, c'est pas grave. Je comprends très bien. Et je suis vraiment désolée. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai commencé. J'aurais jamais dû t'embrasser devant tous ces gens et je... T'étais bourrée, c'est pas grave. Ouais, mais quand même, je veux pas que tu penses... Non, je me suis pas fait d'idée, t'inquiète. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu me laisses toujours finir mes phrases. Ok. On devrait se mettre en route. Ça va pas, non? Je joue pas avec vous, moi! Quoi, t'as la trouille? Bon, là, je sors le flingue, une balle chacun, terminé les batailles de neige. Je regarde le mec un peu trop dans l'excès. Ouais, bonne idée. Vous l'avez cherché? On va sérieusement jouer aux batailles de neige, là? Oh, j'ai envie de dégommer du zombie, on va jouer à la boule de neige avec touche des gosses. Lancez rapide. Tiens. On est pas encore foutus, pour le réticule est verrouillé, attaquez directement la cible avec touche R2. Tiens, prends ça dans ta ruche. Dina, 3, sur. Ah, t'aimes ça? Joystick gauche vers l'avant. Oh le bâtard. Oh le bâtard, il est où? Force, ce gamin. Oh le bâtard, il est où? Tais-toi, tu rentres. Elie et Dina, 4, allez, sur. Tiens. 10. Dans ta gueule. Dans ta face. Ok, ça c'est intuitif. Ça Dina, ressemble à Call of. Sur. Tiens, prends ça dans ta ruche. Touche 3, grimper. Elie et Dina, 8, sur. Tu ferais mieux de te cacher. Ouais, c'est bon, on a fini ou pas? Oui, il faut que j'en... Oh, ouais. Elie et Dina, 9, sur. Ouais, mais elle est nulle, celle qui avait moi, frère. Elie et Dina, ah. C'est pas juste.
Mangez ça, les crevettes. On est bien. Alors, c'est quoi? Non. Sur elle. Putain, si elle galère à gérer une bataille de neige, frère, je me demande comment ça va se passer quand il y aura des zombies. Quoi. Lâchez-la, bande de monstres. Arrête. Allez, pas tout ça, mais on a du travail. Du vent. Oh non. Je l'ai bien mérité, non? Ouais. On y va. Jesse veut qu'on prenne la route de la rivière. Il va relever Joël et Tommy. Oh, c'est cool qu'il nous a envoyés ensemble. Tu vas aimer la balade. Salut les filles. Bonjour. Salut poulet. Putain, c'est la D2 ou quoi? Je m'en occupe. Merci. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Ah ok, putain, de loin j'ai vu qu'il était en train de yèche, je me suis dit mais ça va quoi, on est bien. Ça c'est un bon cheval. Ah. Regarde qui est là. J'ai un drôle d'animal qui vient de se réveiller là. Speedou est parmi nous. Allez, c'est bien. Mon bébé. Non par contre, fous pas le merdier là. Regardez sa tête. Salut Paillette. Viens là. Ah, regardez qui a décidé de nous rejoindre. Ouais, qui voilà ouais. On dirait pas Glenn, le mec là dans The Walking Dead. On dirait Glenn, mais avec la coiffure à Daryl, tu sais. Un peu moins longtemps. Bon, écoutez-moi. On y est. Vous connaissez le topo. Vous suivez l'itinéraire, vous prenez des notes et vous tuez les infectés que vous croisez. Oui, monsieur. Si vous tombez sur plus gros que vous. Vous revenez. Pas de conneries, ok? C'est bon. D'accord. Allez-y. Tu casses l'éclat. Là. Me tarde les gars là de dégomme de l'infecté. Je sais pas comment ça va se passer. Il y a du monde quand même qui part en expédition là, mais on part pas les, on prend pas les mêmes chemins. Règle numéro 1, ne pas se séparer. Vous connaissez pas ou quoi les gars? Salut. Salut. De quoi tu rêvais? J'ai dit quelque chose? Non, mais t'as... Tu faisais grincer tes dents. Oh. Où t'es allé? Prends ton matos. Faut que tu vois ça. Quoi? Je vais te montrer. Bien. Va-t-il y avoir un peu d'action enfin? Ah voilà, courons, courons. Vache, ça caille. La chimère. T'es sûr que tu veux pas faire ça quand il fera jour? Ça caille. Quelques degrés de plus? Non. Ça peut pas attendre. Tu veux pas me dire ce que c'est, au moins? Tu dois voir ça par toi-même.
avant et touche croix pour franchir des obstacles. Merci, merci. Qu'est-ce que tu fabriques à traîner comme ça, tout seul ? J'arrive pas à dormir. Toi non plus ? T'arrives pas à dormir, du coup tu vas tout seul dans un... Gesticule vers l'avant et touche croix pour se faufiler. Si on continuait, on pourrait filer jusqu'au Mexique. Je l'ai fait penser, figure-toi. On pourrait aller voir la ville de Mani. Ok, stylé. Quelque chose me dit que c'est pas aussi joli qu'il le dit. Ouais, t'as sûrement raison. Ok, c'est bien fait, j'aime bien. Ce chemin dans le noir ? Oui. Allez, viens. Qu'est-ce que vous pensez des graphismes ? Qu'est-ce que vous pensez du gameplay un peu ? Vous aimez bien ? Moi perso, je trouve que c'est quand même stylé. C'est quand même stylé, on peut toujours relever des petits détails par-ci par-là, mais c'est bien foutu. Je suis pas bizarre. Touche croix, sautez. Tu vas rompre avec Mel, c'est ça ? Quoi ? C'est long quand même. Moi j'aime bien quand il y a de l'action là. J'ai eu ma dose. Maintenez, touchez-la et touche croix pour sauter en sprintant. Eh ouais, on n'est pas tous aussi gras sur toi. Quoi ça ? Ça va pas le faire. Ça va aller. C'est trop haut. Vas-y. Mais c'est quoi le but là ? Oh merde ! Hé, regarde-moi. Abby, ne regarde pas en bas. Allez, détends ton string là. Owen, faudra repasser. Avance par là, que. Dis-toi que c'est l'occasion de vaincre tes peurs. Tu sais où tu peux te les carrer, mes peurs. Abby, arrête de me draguer. Il est pas relou, lui, à nous amener à l'autre bout du pays par hasard. Arrivé. Putain. C'est carrément une ville. Ouais. T'en as parlé à quelqu'un ? Je voulais que tu sois la première. J'ai vu des gardes armés patrouiller entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité, des flingues. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Ok. On a deux points de vue différents là, je comprends pas. On attend qu'il soit là. On fait comment pour l'atteindre ? On n'a qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, il faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il n'aura pas le choix. Non mais tu t'entends. T'as une meilleure idée ? Qu'est-ce qui t'arrive, Owen ? Mais elle est enceinte. Oh. Ok. Mais c'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter. Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre, pas vrai ? J'étais sûre que je pouvais pas compter sur toi. Abby, je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. Hé. Hey. Arrête. On sera à ton retour. Ça va être un dax de défoncer la ville. Avant-poste. Et puis merde. Ah ouais, elle y va toute seule. Malek. Ça sent le pétrin tout ça. J'y vais hein, parce que j'attends que ça d'avoir de l'action, mais ça sent mauvais cette histoire, je te le dis. Un poste.
Ah ouais, mais il n'y a pas de raccourci là, quoi. Faut que je prenne par là-bas, peut-être. Hop. Ce qui est stylé, c'est que tu peux un peu aller où tu veux, qui te donne pas trop de limites de zone. Ça, j'aime bien. Parce que moi, j'aime bien faire ma vie dans les jeux, entre guillemets. Donc là, je vois bien le truc venir où il va falloir sauter de là à là. Ok. En vrai de vrai, elle se serait mangé le caillou, elle serait décédée, mais... Maintenez, touchez là et touche 3 pour sauter en sprintant. T'inquiète, poulette. Ok. L'avant-poste. Hop. Hop. On sprint, on sprint. Maintenez, touche cercle pour vous mettre à terre. C'est quoi ça? Quoi, il y a un mode concentration? Je comprends pas. Est-ce qu'on peut avoir accès? Est-ce qu'on peut avoir accès? Ah, je vais tomber. Ok, go. Hop. Je pense qu'il est pas trop loin en soi l'avant-poste, on devrait. Ah, j'ai cru voir un loup ou un truc comme ça, je me suis dit putain ça commence. Ah, on va parler français. Ouais, mais j'ai 5 balles. On va pas voir que je fasse le fou avec ça, hein, parce que 5 balles. Ça en fait beaucoup. J'ai pas envie de les utiliser, quoi. Ça doit se faire rare de trouver des balles, je suppose. Oh, salut. Dégage. Ok, il y a des gens qui sont pas en forme. Oh, un monstre. Sors le gun, sors le gun. Était sûr. Carré, pour vous libérer. Oh, faut que j'appuie ou appuyer répéter de façon. Dégage. Oh, enculé. Il est où, il est où? Sors le flingue là, sors le flingue. Sors le flingue, mets-lui une tête. Merde, je connais pas les touches. Touche carré, corps à corps. Ok, dis plus ça, merde. C'est tout? Ok. Ouais, je viens d'avoir la PS5 il y a pas longtemps, pour ceux qui se demandent du coup. Oh là, ce fils de pute. Putain, en plus je l'entends de crier à ce bouffon là. Pistolet militaire, munitions de pistolet, 5, chargé, 0, dans l'inventaire. Ok, il y a du monstre là. Donc esquiver, c'est un peu la base, j'ai l'impression. Ilou, 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 je l'entends crier à ce bouffon. Wow, 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 wow. Putain, c'est chaud en vrai. Mais est-ce qu'il me frère, j'appuie sur la touche. Wow. Quel enfer gros. Oh merde. Putain, j'ai pas beaucoup. Bonjour. De points de vie. Équipé, kit médical, kit médical. 1. Touche R2. Maintenir pour se soigner. On va se soigner les gars parce qu'on n'est pas en forme, je te l'ai dit. Hop. Un peu mieux. Ça serait bien que je puisse fouiller le bat, histoire de... Faut que je trouve un point de vue. Histoire faites de... Faites glisser votre doigt, pavé tactile, faire glisser vers le haut. Vous êtes debout. Pour que votre statut actuel soit par le lecteur, vous êtes debout. Santé. Hors d'écran. Vous êtes accroupi. Santé. 66. Joystick gauche vers l'avant. Et touche croix pour franchir des obstacles. Je peux pas allumer la lampe torche là. Appuyez sur touche R3 pour allumer la lampe torche. C'est quoi R3? Ok. Déjà, je vérifie toujours moi s'il n'y a pas de saloperie qui traîne. Et est-ce que je peux pas récupérer des trucs là, des kits ou quoi? Parce que j'ai pas beaucoup de balles, j'ai pas beaucoup de soins. Ça aurait été stylé que je trouve des objets, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. C'est un peu éclataxe. Il n'y a rien d'intéressant, hein. Ça aurait été bien que je puisse fouiller un petit peu ou, tu sais, un truc comme ça, quoi. Oui, monsieur. Touche R2, rechargé. R2. Comment je fais pour sortir ici? Ah ouais? Je croyais que R2, ça aurait été pour tirer, tu vois. Est-ce qu'on peut pas ouvrir des objets, là? Maintenez, touche cercle, pour vous mettre à terre. Ah, ok.
Moi, c'était pas voulu spécialement de mettre à terre. Faire explorer, voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer en premier. Je suis beaucoup dans l'exploration, hein, moi. Bon, dans la vraie vie, tu ferais quoi? Ok. J'espère que j'ai pas tombé néana avec une saloperie, là. On n'y voit rien, en plus. Très mauvaise idée, Abby. Eh ouais, ça, c'est une mauvaise idée, je trouve. Tombe néana avec une saloperie, là, mon gars. Touche R2. Visez. Touche R2. Tirez. Ok. On va recharger, les gars. Putain, j'ai déjà usé une balle pour rien, quoi. Mais bon, elle, elle se rapproche de l'avant-poste, elle tire des balles. Je suis pas sûr que ça soit ce qu'il y a de plus discret, mais bon. Touche cercle, se relever. Il est où ce poste gay? Ok, c'était cool. On peut pas ouvrir, non. Où il est, ce poste de gay, il doit être par là, hein. Encore une maison. Ah, frère, elle sait pas marcher, hein, c'est abusé. Il y a de la fumée. S'il y a de la fumée, c'est qu'il y a quelqu'un. Hein. On va pas se mentir. On peut passer ici ou pas? Maintenez, touchez R1 pour écouter. Restez en position accroupie pour vous approcher discrètement de vos ennemis et appuyez sur touche triangle pour les saisir. Ok. Pour les saisir, triangle. Bien. Mais c'était une saloperie. Un zombie comme ça? Ah ouais, elle fait des furtives aux zombies, elle rigole pas, quoi. Fouillons un peu. Ok, il y a un rez-de-chaussée en bas là, enfin il y a un moins un. Il n'y a pas de medikit ici ou un truc comme du style? J'ai l'impression que t'as pas beaucoup de mérite à fouiller les baraques. Je vais quand même le faire. J'espère que j'ai pas tombé sur une saloperie. Rien d'intéressant. On le dit pas assez, mais j'ai failli crever tout à l'heure quand même. T'as, tu vois, bam, bien fait. Ok. Il y avait que ça à fouiller. J'avais l'impression qu'il y avait une pièce en plus là. Tac, tac, tac. Ah oui, il y avait ça. Mais c'est par là que je suis arrivé, je crois. Ah non, même pas. Si? Si, c'est par là. Par là, mais est-ce qu'il y aurait pas un truc dans le placard ou quoi? Non. Ok. On va descendre en bas. Méfius, il n'y a rien à fouiller sur l'étagère. Bon, je trouve ça pas très précis comment tu peux viser là, Laurent. Ok, on va refaire la technique. On va lui enculer sa tête. Il y en a une autre un peu plus loin. Allez, approche-toi, frère. Sa tête. Voilà. Il y en a un autre par là-bas, là. Je vais en premier récupérer des trucs. Là, j'ai une balle. Là-dedans, il y a quoi? Il y a R. Ok, là, il n'y a rien. En fait, tu trouves que des balles dans ce jeu, quoi. Il n'y a pas besoin de bouffer, il n'y a pas besoin de... Tranquille, quoi. Du coup, hop, il est où l'autre? Du coup, tu vois un peu à travers les murs, quoi, j'ai l'impression, mais bon, ça c'est encore autre chose. Il est où? Mais là, je vais tomber face à lui, quoi. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Oh, il y a des balles sur le mec. Quel bonheur! Ok! Ah, mais je les ai mangés là? Ok, je pensais les mettre dans le sac, tranquille, je les ai peut-être besoin pour plus tard. C'est pas grave.
Il y a un truc là-bas là, qui marche. Je fais pas le bruit, poulette. Allez hop. Bon, le mode furtif c'est quand même un bon truc hein, dans la globalité. Putain j'ai commencé à avoir pas mal de balles là, moi je suis bien. Là il y a encore un zombie là-bas. Je surveille bien tout parce que tu vois, il y en a un là aussi. Tu m'as vu ou quoi? Il y a lui là-bas. Je crois qu'il y en a un qui m'a vu. Je vais passer par là. Oh putain. Putain, tu vois, lui, je l'avais pas vu, j'ai bien fait de passer par là. Allez, hop. C'est toujours la même exécution, mais bon, ça me va bien. Deux balles en plus. Je vais commencer à avoir pas mal de balles là, c'est bueno ça. Faut leur mettre des grosses têtes. Enfin, je pense que quand il y en a plein qui te voient en même temps, c'est mieux de la jouer à leur tirant dessus qu'en étant furtif, tu vois, mais. Enfin, il se rapproche de moi lui. Ok, on a temporisé. L'autre derrière là. Ok. Ok, ok. Tu m'as relâché. C'est pas grave. Il y a l'autre qui arrive. Il est où l'autre? Il n'y en a pas par là. Là, je peux passer dessous. Mais moi, je préfère l'éliminer. Je vais faire l'éliminer parce que s'il me donne des balles ou un truc comme ça, ben je vais être refait. Hop là, terminé. En plus, il m'a lâché des balles, tu vois, j'ai bien fait. Je vais passer là-dessous. Quoi, j'en ai pas d'autres. Il y en a. Quoi? Où est la route? Il y en a un là? Ah, je suis focus, les gars. Ok. La route, elle est où? Elle va par là-bas? Pas de zombies. J'aime bien tout surveiller parce que hein, je connais. J'aime me faire agresser d'un coup furtivement. Donc, traces de pas. Des traces de chevaux. Ah, c'est des chevaux, ok. Où est la patrouille? Ok. Ok, ok. Qu'est-ce donc, Tess? J'ai l'impression qu'on jongle de points de vue. Un coup on a le point de vue d'elle, un coup du mec qui est passé à. Je sais pas, j'ai l'impression en fait. Je sais pas comment c'est construit l'histoire. Ouais, par contre, équipé là. T'as pas juste un gun et du courage, t'as tout ce qu'il faut. Quoi. Allez, viens. Par ici. Je te suis. Option. Ok, on va s'arrêter là. Touche cercle, retour. On va s'arrêter là pour cet épisode, parce que sinon ça va faire des épisodes beaucoup trop longs. On a commencé l'histoire, pris en main le jeu, tué quelques zombies, je sais un peu plus comment ça marche. On a pris un peu de balles sur l'autre perso. J'espère que ce premier épisode il vous aura plu. C'était vraiment une introduction, il n'y avait pas trop d'action, mais je pense que dans les prochains il y aura beaucoup plus d'action, et c'est pour ça que je vous incite à vous abonner pour suivre en fait cette petite série. Si tu découvres ma chaîne sur cette vidéo, sache que je fais pas que ça, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Mettez un petit commentaire, savoir si ça vous a plu, un petit like, et on se retrouve pour la partie 2. Je vous souhaite une très bonne journée, à plus.